Une minute, une halakha. Jusqu'à quand pouvons-nous allumer les bougies de Hanouka? Eh bien, si on a oublié d'allumer les bougies de Hanouka ou qu'on n'a pas pu le faire au début de la tombée de la nuit, on peut encore les allumer a posteriori toute la nuit. Cependant, il faut bien insister sur le fait que le principe de l'allumage de Hanouka est Pirsume Nissa, diffuser le miracle. Il faut donc qu'il y ait des personnes qui soient là pour voir la lumière. Ainsi, si l'on rentre tard au milieu de la nuit et qu'il y a des personnes qui dorment à la maison, il est bon de les réveiller pour que tout le monde puisse voir l'allumage de la bougie. S'il n'est pas possible de les réveiller, par exemple, si ce sont les enfants qui ont école le lendemain ou s'il est vraiment trop tard, alors on pourra allumer a posteriori seul et se contenter de la diffusion du miracle pour soi-même.